L'entonnoir de conversion de l'email marketing. L'entonnoir de conversion de l'email marketing représente une série d'actions que les contacts peuvent réaliser lorsqu'ils interagissent avec votre campagne jusqu'à l'action finale qui constitue votre objectif. Dans la plupart des cas, cet objectif final est un achat sur votre site web, mais il peut aussi s'agir d'une action spécifique telle que l'inscription à vos emails ou la mise à jour du profil du contact. Pour déterminer le degré d'efficacité de votre entonnoir d'emailing, aidez-vous des trois ICP suivants, à commencer par le taux de livraison. Celui-ci représente le nombre de contacts qui reçoivent votre email une fois que vous l'avez envoyé. Il dépend de votre délivrabilité. Le deuxième est le taux d'ouverture, c'est-à-dire le nombre de contacts qui reçoivent puis ouvrent votre email. Le dernier est le taux de clic, qui correspond au nombre de contacts qui cliquent sur votre email après l'avoir reçu. Ces quelques statistiques de référence vous permettent de vous positionner par rapport aux résultats moyens, tous secteurs confondus. Si vos taux sont plus élevés que la moyenne, c'est parfait. Efforcez-vous d'optimiser vos ICP afin d'améliorer l'efficacité de votre entonnoir d'emailing et de maximiser les conversions.